rencontrait, il pleuvait. Mais c'est surtout dans le cœur de Maé qu'il ne faisait pas beau. Lentement, tel un vaisseau, un étrange animal était sorti des eaux troubles de la mangrove. Maé avait le cœur si lourd qu'elle n'avait même pas sursauté. Elle pensait à Piranhas, sa nouvelle maman. Elle vivait dans la même maison, pourtant jamais elle ne se parlait. « Chaque fois que tu voudras me voir, lui avait dit Yaya, le lamantin, chante, chante et je viendrai. » Mais ne parle pas de moi, à personne, sinon ma vie serait en grand danger. Sans rien dire, Maé avait posé 3 baisers sur le museau du mammifère. Cela avait suffi pour sceller leur secret d'amitié. Depuis cette rencontre, un sourire était venu fleurir les lèvres de Maé. Mais le cœur de Piranha restait sombre. Ta fille fait pipi au lit. Se plaignit-elle un soir à Sinaï, le papa de Maé. Maintenant, elle dormira par terre. Maé était presque contente d'avoir été punie. La nuit, c'était plus facile de sortir pour retrouver Yaya. Partons en voyage, lui dit Yaya. Un matin, en silence, ils descendirent le cours de la rivière. Peu à peu, les grands arbres disparurent. La terre s'émietta en îlot à oiseaux. La lumière devint plus intense. Le ciel s'agrandit. Maé découvrait alors l'immensité bleue de la mer. Les grosses vagues frappaient avec fureur la barrière de corail. Maé se serra contre son amie pour se sentir moins petite. Ils mangèrent un porte-poisson éclatant en un feu d'artifice multicolore. D'énormes gorgones, semblables à des éventails, se balançaient lentement au cri des courants. Des poissons écureuils ont l'air de gros yeux étonnés. Les murènes oublièrent leur faim. Au-delà du pont du corail s'étendait une prairie d'algues peuplées d'ours sans noir et des étoiles de mer. Yaya s'y attendait longuement pour déguster l'air gluant. Maé, elle, admira une vieille tortue qui vole quand on nage. Brusquement, tout le récif fut pris de panique. Escorté de ses poissons pilotes, squale le terrifiant patrouiller. Mais le danger venait d'ailleurs. Maé le compris seulement lorsque le coup de harpon fait disparaître Yaya sous l'eau. Elle aperçut alors la pirogue et Sinaï, furieux d'avoir raté une si belle prise. Pendant des jours, Maï usa ses yeux à pleurer et à struter les eaux. Enfin, blessée, Yaya avait probablement été dévorée par Squall le terrifiant. Pourtant, un soir, qu'elle errait en peine dans la mangrove, elle fut attirée par une plainte. Brusquement, elle cria. Yaya, c'est toi ? Mais pas de réponse, alors elle se mit à chanter et péniblement Yaya sortit des eaux troubles de la mangrove. Puis Yaya dit à Maé, « Je suis content de te revoir, mais par rapport à ma blessure, je suis faible et fatigué. À cause de ton père et des autres pêcheurs, je suis en danger. »« Oui, je sais et j'en suis triste. Je dois m'enfuir loin d'ici au plus vite. »« Mais tu es blessé, il faut d'abord te soigner. Tu resteras caché ici dans la mangrove et je m'occuperai de ta plaie. » Tous les soirs, Maé soignait sa blessure avec un cataplasme fait de feuilles médicinales et d'algues. Pendant ces moments, ils rigolaient beaucoup ensemble et étaient heureux. Maé profitait de ses soirées avec son ami le lamantin. Quelque temps plus tard, Yaya fut guérie. Maintenant je suis rétablie, il faut que je m'en aille. Maé se mit à pleurer
car elle allait perdre son ami. Mais elle est obligée de le laisser partir pour le sauver. Ne pleure pas, Maë, je reviendrai te voir chaque année à la même date le soir, quand les pêcheurs seront rentrés. Maë décida d'accompagner son ami le plus loin possible. Ils partirent dans la nuit, ils se quittèrent quand on ne voyait plus les côtes de l'île. Dans une dernière étreinte, Maë dit à son ami: au revoir, Yaya, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, je reviendrai bientôt. Maë monta sur le dos de la tortue et rentra chez elle.